Bélestat est un petit village qui est situé au sud de la France, dans les Pyrénées-Orientales. Le musée de Bélestat reconstitue le mode de vie des hommes au néolithique. Donc le musée de Bélestat se trouve à Bélestat, oui bien sûr. Ça provient d'une découverte en 1983, à 2 km de Bélestat, de la commune, d'une grotte dans laquelle il y avait une sépulture collective du milieu du 5e millénaire, moins 4005 avant Jésus-Christ. Et là, on a découvert une trentaine de personnes qui avaient été inhumées, qui avaient été juste déposées dans une petite salle, accompagnées de poteries particulièrement bien conservées, qui étaient des offrandes alimentaires pour les défunts. Suite à cette découverte, donc c'était en 1983, il y a eu les fouilles dans la grande salle d'entrée de la grotte qui ont permis la découverte de l'habitat de ces gens qui avaient enterré leurs défunts. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un seul habitat de la période du néolithique, mais plusieurs habitats de moins 5000 avant Jésus-Christ, à peu près, du milieu du 5e millénaire, jusqu'à nos jours. Donc sur 8 mètres d'épaisseur, il y avait toute une série d'occupations humaines et animales, puisqu'on a retrouvé des fumiers de bergerie qui montrent que cette grotte a surtout servi de bergerie pour les vivants, donc pour les hommes, avec certainement donc des paysans qui élevaient et qui pratiquaient l'agriculture, puisqu'on a trouvé des meules en granit qui permettaient d'écraser des grains, et tout l'outillage donc de ces gens qui vivaient au néolithique. Suite à la découverte et à la fouille de ce site archéologique, donc la grotte avec la première entrée, la grande salle d'entrée qui était destinée à l'habitat, et tout à fait au fond une petite salle qui a été utilisée comme sépulture collective, et bien suite aux découvertes et à l'étude de tout ce gisement, il y a eu l'aménagement de l'ancien château médiéval du village de Bélestat en musée. Ceci bien sûr pour conserver des objets, mais pour les mettre à la disposition du grand public et d'un public plus scientifique, donc amateur d'archéologie. Donc ce qu'il y a dans le musée, c'est essentiellement les outillages, les armes, les parures de ces gens, tout ce que l'on trouve généralement dans les sites archéologiques, avec bien sûr des reconstitutions pour imaginer un petit peu comment vivaient ces gens. Donc est-ce que le nom de Bélestat a été choisi par rapport à ce qui s'est passé avant ? Pas du tout, puisque les premières mentions du nom de Bélestat se trouvent dans un testament du XIe siècle, et c'était Poulcrostar, qui veut dire beau lieu, et qui est devenu Bélestat, beau lieu. D'accord. Donc c'est quelque chose, en fait, oui, qui est dû à l'environnement du village, mais pas forcément aux découvertes archéologiques qui sont très récentes, en 1983. Quelles sont les particularités des objets trouvés à Bélestat et leur utilité en fait ? Donc on trouve à Bélestat exactement tout l'outillage qu'avaient les néolithiques. L'outillage qui nous est conservé, qui est parvenu jusqu'à nous, est quelque chose évidemment conservé dans des matériaux non périssables, puisque tout ce qui est bois et cuir ne nous est pas parvenu. Mais par contre nous avons tous les outils, les armes et les parures en pierre, notamment du silex taillé pour les armes, des pointes de flèches ou des grattoirs. Et pour ce qui est des parures, c'est du schiste plutôt poli et percé. Parfois des grosses meules en granit qui permettaient donc d'écraser des grains. Ça, c'est le gros outillage. Après, nous avons la terre cuite, ce sont des récipients. Et là, c'est vraiment une invention du néolithique. Mais à Bélestat, au 5e millénaire, on voit que c'est une très bonne maîtrise de cet artisanat, puisqu'on a des poteries très bien conservées depuis 6000 ans. Donc ça veut dire qu'elles étaient bien cuites, bien modelées et bien cuites. Donc, quelle est la particularité de Bélestat, du musée ? Eh bien, il y en a deux, en fait. C'est d'avoir une sépulture collective. C'est quelque chose d'assez rare. C'était la première, en plus, trouvée dans le Midi de la France, en 1983. Donc, avoir une tombe collective avec une trentaine de personnes du néolithique et avec un matériel archéologique aussi bien conservé, c'était très rare. Et la deuxième particularité, c'est une occupation pendant 6000 ans dans un même lieu. Le musée de Bélestat a reconstitué d'énormes objets qui ont été retrouvés en très bon état. Les poteries étaient décorées avec des coquillages et différents objets afin de réaliser des formes originales ou par exemple de graver des motifs. Donc, quels étaient les matériaux utilisés pour la poterie ? Essentiellement de la terre, trouvée certainement à proximité, mélangée avec un petit peu de sable quand elle ne l'est pas naturellement.
un petit peu d'eau, rajoute un petit peu d'eau, mais généralement c'est de l'argile déjà humide, que l'on modèle, et c'est tout. C'était cuit quand même ? Alors, on modèle la poterie, on la fait sécher, on rajoute éventuellement des gravures, on laisse à nouveau complètement sécher, et une fois que c'est complètement sec, on la cuit dans des sortes de meules, c'est-à-dire un trou avec du combustible au-dessous, les poteries, du combustible par-dessus, de la terre, donc ça crée une sorte de four. Et il faut atteindre les 600 degrés pour qu'il y ait une vraie cuisson qui permettra l'étanchéité de la poterie. Est-ce qu'il y avait des couleurs pour... Apparemment pas, mais ce n'est pas parce qu'on ne les a pas retrouvées au niveau archéologique qu'il n'y en a pas eu, puisqu'il y a des surfaces très lisses qui appellent le décor peint justement. Mais on ne les a pas retrouvées. Maintenant, on a l'impression qu'il y avait un choix de la terre particulière ou un choix du combustible qui permet d'agir un petit peu sur la coloration de la poterie. Donc, pour faire les vêtements, comment ils faisaient ? Ils utilisaient des tissus ou de la peau des animaux ? Alors, effectivement, on imaginait qu'ils utilisaient la peau des animaux puisqu'ils pratiquent l'élevage au néolithique, mais ils continuent de pratiquer la chasse. Donc, la fourrure a toujours été utilisée, ainsi que le cuir, donc les peaux tannées. Mais on retrouve, à partir du néolithique, énormément de boules en terre cuite, modelées, qui permettaient de lester le fuseau, que l'on appelle donc des fusaïoles, et qui permet de dire qu'il y avait du filage et qu'avec ce fil, on pouvait très bien tisser. Donc on n'a pas trouvé à Bélesta des éléments vraiment de tissage, mais de filage, oui. Donc ils avaient des fils. Et on sait par ailleurs, dans d'autres sites archéologiques qui ont conservé des matériaux périssables, comme des bouts de tissu, effectivement, on sait que ces fusaïoles servaient à filer pour ensuite faire des tissus.